A national conference is opened in Burkina Faso to appoint a transitional president 2 weeks after a second coup in 8 months, led by Captain Ibrahim Traoré. His supporters want him to be appointed president, despite his stating he did not want the position. Political parties, social and religious groups, and representatives of the security forces gathered on Friday to chart the next phase in Burkina Faso's future after the country's latest coup. The head of the forum's organizing committee, Colonel Celestin Campore, said the conference will examine and adopt a charter of transition, appoint a transitional president in line with the charter, and receive any proposals for the proper execution of the charter. C'est l'avènement du MPSR le 24 janvier 2022 a suscité beaucoup d'espoir pour le peuple burkinabé meurtri et confronté à une crise sécuritaire sans précédent. Il y a lieu de reconnaître que nos populations ont désenchanté quelques mois plus tard face à la dégradation continue de la situation sécuritaire et humanitaire. C'est ainsi que les 30 et 31 septembre 2022, des officiers, sous-officiers et militaires du rang ont été contraints de prendre leurs responsabilités pour recadrer et recentrer les objectifs de la transition autour des priorités, à savoir la reconquête et la sécurisation de l'intégralité du territoire national. Mesdames et messieurs, le chef de l'État voudrait que ce processus qui sera entamé à la suite de ces assises soit non seulement inclusif, mais aussi et surtout conforme aux aspirations profondes de notre peuple. MPSR, et nous attendons que le MPSR nous propose un président que nous allons acclamer et accompagner. L'essentiel, c'est que la haute hiérarchie de l'armée trouve un terrain d'entente et nous, en tant que politiques, nous ferons le reste du travail. Être le président chez nous, c'est Ibrahim Traoré qui est notre président, puisqu'on l'a attendu depuis fort longtemps. Nous avons voulu un jeune qui sera à la tête de ce gouvernement, qui va réformer tout pour remener à zéro, pour la stabilité de ce pays et la reconquête de notre territoire aussi et la souveraineté totale de la jeunesse africaine et précisément les Burkinabés. Et nous l'avons eu. Quand on fait un coup d'État, on doit quand même avoir le courage de l'assumer. Nous, nous sommes là, nous ne sommes pas là pour une autre personnalité. Je pense que nous allons soutenir donc le capitaine Ibrahim Traoré, le maintenir à la tête de notre nation. Alors pour ceux qui ont ou qui avaient donc des intentions, je pense que dans 21 mois, alors c'est très proche, ces individus pourront en tout cas s'affirmer. Mais pour l'instant...